Salut à vous, YouTube, on se retrouve pour un tuto Q-Click. C'est un tuto qui m'a été extrêmement demandé en stream, donc je vous crée cette ressource pédagogique complète et structurée. A la fin de cette vidéo, vous repartirez avec un maximum de connaissances sur les mécaniques de kiting en ADC, mais sachez que ce ne sont que des connaissances et que vous devrez vous entraîner en game. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas frustrés, continuez à train, essayez d'appliquer ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, allez-y à fond, vous pouvez devenir des monstres, et nous on se retrouve sur la faille pour vous présenter tout ça. Ok, comme vous le faites tous sur League of Legends, vous vous déplacez avec votre clic droit. Ça va créer un clic de déplacement. Vous voyez la petite zone bleue, c'est un clic de déplacement. Nous, on va vouloir créer un clic d'attaque. La petite zone rouge, c'est un clic d'attaque. Et pour ça, on va utiliser Q-Click que je vais vous expliquer. Ça vous permet d'attaquer la cible la plus proche de vous. On va faire spawn un demi, clic droit par terre, hop, enfin clic droit. Q-Click par terre, et hop, ça attaque le demi, ok? Cible la plus proche. Ça marche sur toutes les unités ennemies. Donc typiquement, les minions, je vais aller à côté, je vais cliquer par terre, et ça va attaquer le minion le plus proche de moi. Pourquoi ça s'appelle le Q-Click? Parce que de base, la zone là, donc ce sort pour attaquer autour de moi, est de base bind sur la touche Q de votre clavier. Alors le Q-Click, ça sert à quoi? Je sais que vous avez envie de connaître les forces de l'option, et c'est pourquoi je vais essayer de vous présenter de manière exhaustive les points positifs d'une telle option. Un des points les plus importants lorsque vous jouez ADC, c'est lorsque vous êtes en train de kite des ennemis. C'est-à-dire que vous êtes en train de les attaquer et de reculer en même temps, ok? Un truc ultra grave qui peut arriver si vous utilisez votre clic droit pour qu'il y ait des ennemis, je peux le faire, regardez. Hein. Là, j'utilise des clics droits. C'est si jamais vous faites un misclic. Vous cliquez à côté sans faire exprès. Je peux vous montrer, là, je vais kite avec le clic droit. Regardez, première auto, deuxième auto, et là, j'ai cliqué sans faire exprès lors de ma troisième auto à côté de l'ennemi, un petit peu derrière lui. Vous avez vu ce que mon champion a fait? Il a couru vers les ennemis, et ça, c'est ultra grave. Imaginez, vous avez des cibles ultra dangereuses qui sont en train de vous chase, de vous courir après. Vous êtes en train de les attaquer tout en reculant, et là, vous vous trompez. Vous cliquez à côté et vous courez vers eux, vous mourrez. Vous pouvez faire perdre votre team sur ce genre d'action. Le Q-Click, ça va vous permettre d'avoir une marge d'erreur. Je précise, marge d'erreur. C'est un point ultra important et ultra fort sur ce genre d'option. C'est que vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit de cliquer à côté d'un ennemi et ça va quand même l'attaquer. C'est logique. Si vous attaquez le champion, votre champion ne va pas courir à côté, mais il va juste s'arrêter pour lancer son animation d'attaque. Ok ? Donc du coup, je vais attaquer, attaquer. Et là, je vais me tromper. Vous avez vu? J'ai cliqué juste en dessous du perso et pourtant, mon personnage n'a pas couru vers lui, mais il l'a attaqué à la place. Il faut aussi savoir que le Q-Click permet également de se déplacer. Regardez, là je me déplace avec le Q-Click tranquillement. Pourtant, mon champion va continuer à courir, mais lorsqu'il va croiser un ennemi, hop, il va l'attaquer. Il va pas continuer à courir vers lui bêtement. Autre point positif, le Q-Click facilite le travail de kiting. Un joueur lambda va réaliser ce travail d'aller-retour pour kite un ennemi, où il va s'éloigner, cliquer, mais là avec le Q-Click, vu que ça va automatiquement attaquer l'ennemi le plus proche de vous, donc dans un exemple, un ennemi qui est en train de vous courir après, vous n'avez pas forcément besoin de cliquer sur l'ennemi. Vous pouvez juste, regardez ce que je vais faire, vous en allez cliquer, vous en allez cliquer, vous en allez cliquer, vous en allez cliquer, et ça va kite tout seul. Vous avez vu? Ok, maintenant je vais vous montrer un autre truc. C'est un aspect ultra fort sur le Q-Click en général, et c'est par rapport aux ennemis qui sont invisibles, ou dont vous ne connaissez pas la position. Je prends un exemple, un ennemi qui va être dans un bush, ok? Je vais prendre un dummy, je vais le mettre dans le buisson. Vous venez de me voir le mettre à l'intérieur, et ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon Q-Click et cliquer à l'intérieur du bush. Regardez ce que mon personnage va faire. Il va l'attaquer automatiquement au moment où l'ennemi va apparaître. Et donc c'est ultra fort. Vous prenez l'exemple d'une Akali qui se met dans son cercle de fumée, dans sa shroud, et vous spammez vos Q-Click, et au moment où elle va ressortir, vous allez instantanément pouvoir lancer une auto-attaque. C'est ultra fort dans ce genre de situation, où lorsque vous êtes en train de chaser un ennemi, imaginons que je suis en train de chaser un ennemi, et à cet endroit-là, je ne vais pas avoir la vision, donc je vais continuer à chase, poser des Q-Click comme ça par terre, et boum, ça va l'attaquer automatiquement. Et je vais pouvoir le DPS de façon assez optimale. Voilà, et comme vous avez pu le voir, lorsque j'appuie sur mon Q-Click, il y a ma rage d'auto-attaque qui s'affiche autour de moi. Donc c'est un Q-Click qui fait ça, je vais tout vous expliquer dans la partie suivante qui arrive maintenant. Je peux enfin vous présenter les différents Q-Click de League of Legends. Il y en a trois, mais avant de commencer, je voulais juste vous préciser une toute petite option très importante à activer. Il faut savoir que le Q-Click, je vous expliquais pourquoi vous voulez l'utiliser, en général c'est pour kite des ennemis. Mais vous voulez viser un ennemi en particulier. Si jamais vous vous trompez, vous cliquez à côté de celui-ci, vous voulez attaquer ce dummy en particulier, et non pas celui devant vous. Regardez ce que ça va faire malheureusement. Ça va attaquer l'ennemi le plus proche de mon champion. Nous ce qu'on veut, c'est attaquer l'ennemi le plus proche de notre curseur. Et donc pour ça, vous allez aller dans vos options, game et attack move on cursor. Donc c'est mouvement attaque sur curseur en français. Quelque chose comme ça. Maintenant que vous allez l'activer, une fois que c'est activé, regardez ce qui va se passer quand je vais appuyer sur le Q-Click. Ça va bien attaquer la cible la plus proche de mon Q-Click. Très important, activez-le.
Maintenant, vous devez vous demander quels sont ces fameux 3 Q-clics. Alors, il y en a deux qui sont assez similaires. Le Q-click de base, le premier, ça va être celui-ci, mais sans la range. D'accord? C'est celui qui va être activé de base sur votre compte si vous avez reset tous les paramètres. Donc, pour l'activer, vous allez aller dans Interface et décocher le Show Attack Range. Okay? De base, votre compte est comme ça. Vous allez appuyer sur Q ou sur votre touche de Q-click que vous allez pouvoir changer plus tard. Et vous allez ensuite devoir appuyer sur le clic gauche. Et non sur le clic droit, ok? Donc ça va être clic clavier, clic gauche, clic clavier, clic gauche, clic clavier, clic gauche, ok? Et ça va attaquer votre ennemi. Donc ça c'est le clic de base. Pour l'activer, vous allez aller dans Hotkeys, Player Movement, donc déplacement joueur, et ça va être le Player Attack Move, d'accord? Donc c'est la quatrième ligne en partant du haut. Moi je l'ai mis sur X, de base il est sur Q, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle touche, ça dépend de vos préférences. Le deuxième Q-click, ça va en réalité être le même, mais avec la range d'auto-attaque qui va être affichée en plus par-dessus. Donc l'activation va forcément être la même, c'est Q-click, clic gauche. Q-click, gauche, Q-click, gauche, etc, 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 etc. Mais là vous aurez la range d'auto-attaque dont vous pourrez vous placer à la limite, mais je vous expliquerai plus tard, juste après, tous les points positifs et les points négatifs de chaque Q-click. Vous en avez deux. Le troisième, c'est lequel? C'est celui que moi personnellement j'utilise, mais ça dépend de vos préférences. Ça va être le Player Attack Move Click. Donc on va aller dans Hotkeys une fois de plus. Player Movement, Player Attack Move Click. C'est le deuxième en partant du haut. Moi je l'ai mis sur Espace. Alors ce Q-Click est différent parce qu'il va s'activer instantanément. Vous n'aurez pas besoin de cliquer sur votre souris. Un seul clic sur votre clavier va activer le Q-Click. Vous voyez là, sur le sol, les clics rouges, c'est le Q-Click que j'active. Voilà. Donc vous avez les 3 Q-clics différents. Donc maintenant vous êtes en mode, ok il y a 3 Q-clics, mais c'est Didi, comment je fais pour savoir lequel je vais utiliser? Ça dépend de vos préférences. Moi typiquement j'utilise celui que je vous expliquais, donc le celui qui s'active instantanément. Et pourtant je pense que l'un des meilleurs Q-clics, c'est le Q-click avec l'indicateur. Ça dépend de vos préférences, vraiment ne vous cassez pas la tête, juste prenez celui où vous êtes le plus à l'aise. Mais je vais commencer par celui-ci, celui avec l'indicateur. A votre avis, pourquoi c'est aussi fort? Bah tout simplement parce qu'il y a la range d'auto-attaque. Mais la range d'auto-attaque, c'est un peu plus tricky que ce que vous pensez. En réalité, déjà, de une, forcément, ça vous permet d'auto-space sur League of Legends. Donc c'est-à-dire, vous placez pile à la portée d'auto-attaque de votre ennemi. Là, d'ailleurs, je suis pile en portée. Et boum, je vais pouvoir attaquer mon ennemi à la limite de ma portée. Ok? Donc ça, c'est très fort pour faire ça. Surtout au début, quand vous ne connaissez pas forcément la range, la portée de vos auto-attaques sur votre champion. Mais en réalité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'avantages à cela. Typiquement, vous êtes en lane, il faut savoir que c'est un Q-click qui n'est pas forcément activable. Donc, j'appuie sur X, moi c'est mon Q, je fais un clic droit pour me déplacer et mon Q-click s'annule. Mais en attendant, j'ai la range qui s'est activée. Ce qui fait que du coup, je peux activer ma range plusieurs fois. Et lorsqu'un ennemi rentre dans cette zone, je le vois, hein, c'est visuel. Dès qu'un ennemi rentre dans cette zone, je clique par terre ou sur lui. Mais peu importe où je clique, et ça va instantanément l'activer. Boum. Mais on va dire que là, dans cette situation, c'était lui qui était rentré dans ma portée. Il y a plusieurs autres points positifs, notamment lorsque vous êtes en fight. Je suis un petit peu loin, je suis en train de me battre. Donc là, je ne sais pas forcément ce qui se passe. Je regarde en haut à droite de mon écran. Lorsque j'appuie sur Q, j'ai un cercle autour de moi qui s'active. En réalité, avec votre vision périphérique, votre cerveau va réaliser une sorte de traitement automatique et inconscient où il va savoir que votre champion va être au centre de ce cercle. Ça aide un petit peu, en plus de votre barre d'HP qui est aussi d'une couleur différente, mais c'est plutôt cool. Voilà, et également, c'est extrêmement intéressant pour tout ce qui est changement de range, puisque vous avez la range d'afficher. Si à un moment dans la partie, votre range change pour X ou Y raison, là par exemple, j'ai un Rapid Fire Cannon, regardez, ma range d'auto-attaque est beaucoup plus grande. Ensuite, elle va rebaisser. Et là, ça, je vais pouvoir m'adapter. Dans le cas du RFC, il y a une zone qui est déjà affichée, mais c'est très puissant sur des personnages qui changent de portée d'auto-attaque pendant la partie. Tristana, ça change de portée au fur et à mesure qu'elle scale en fonction des levels. À chaque level, elle gagne un petit peu de portée d'auto-attaque. Donc, c'est ultra fort. Kog'Maw, quand ça active son Z, sa portée est augmentée. Donc, pareil, ça change. Pour ce genre de champion, c'est ultra fort d'avoir ce Q-Click là en particulier. On passe maintenant au deuxième Q-Click, le Player Attack Move Click, donc c'est celui que j'utilise, le Q-Click instantané. Alors celui-ci peut être intéressant puisqu'il vous demandera moins d'APM pour kite plus vite. C'est logique, le Q-Click de base, vous allez faire une action clavier, un clic clavier, et une action souris, un clic souris, ok? Alors que celui-ci, vous n'avez besoin que d'appuyer que sur une touche de votre clavier. Donc techniquement, vous faites deux fois moins de travail pour la même action, ce qui fait que vous gagnez de l'APM. Après, sur LoL, je ne vais pas vous mentir, vous n'avez pas forcément besoin de ce gain d'APM de façon vitale.
Mais ça peut être intéressant sur certains champions comme Twitch. Je prends l'exemple de Ratirel qui kite ultra bien sur ce champion parce qu'il excède la limite d'attaque speed. Avec l'étal tempo, ça peut aussi se faire avec Hell of Blades. Et dans ce genre de cas-là, ça va être beaucoup plus fluide et plus simple à prendre en main en utilisant ce Q-Click là. Et puis, je vous remonte, donc c'est dans l'interface Show Attack Range. Ce Q-Click là, en réalité, n'a aucune différence par rapport à ce Q-Click instantané, le Player Attack Move Click. Il n'y en a aucune, à part le fait que vous avez un clic souris à faire en plus. Donc vous perdez du temps. Alors pourquoi utiliser ce Q-Click là tout court? En réalité, c'est pour une raison. Très simple, c'est pour les vieux joueurs de League of Legends. Faut savoir qu'au tout début, le Q-Click c'était comme ça. Et il y a des personnes qui n'aiment pas avoir la range. Donc si vous n'aimez pas avoir la range d'afficher sur votre ordinateur, je vous conseille d'utiliser le même Q-Click que moi, c'est-à-dire le Q-Click instantané. Cependant, si vous êtes un vieux joueur, et là vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo, il y a des playcells qu'on n'arrive pas à changer parce que c'est ancré en nous. Et là, oui, vous pouvez utiliser le Q-Click sans la range. Il y a plein de pros qui le font et ça marche très bien. Donc, vous inquiétez pas, c'est en fonction de vos préférences et de votre playstyle. D'autres précisions sur pourquoi utiliser le Q-Click instantané. Celui-ci, ça peut être dans le cas où vous êtes un joueur qui a du mal à utiliser le clic gauche. Parce que ouais, ça peut être bizarre pour un joueur qui n'a pas l'habitude d'appuyer sur le Q-Click et d'ensuite appuyer sur son clic gauche, qui est un clic qui est très peu utilisé sur League of Legends au final. Moi, je suis dans ce cas-là et c'est pour ça que je préfère ce Q-Click. Mais en contrepartie, vous perdez cette possibilité d'afficher votre range d'auto-attaque. Et c'est là où ça va être super intéressant, c'est que du coup, il y a certains joueurs pro qui également n'aiment pas utiliser le Q-Click avec la range et qui vont utiliser un petit trick. J'espère vous apprendre quelque chose dans cette vidéo. C'est le Show Advanced Player Stats. Donc c'est dans les menus, l'avant-dernière ligne, et de base c'est sur la touche C. Donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leur pouce pour rester appuyé sur C, et regardez ce que ça fait, ça va ouvrir donc les pages de runes, etc. Mais ça va surtout afficher votre range d'auto-attaque. Donc très important et très intéressant pour pouvoir auto-space, et ensuite vous pouvez le coupler, hop, à un autre Q-Click. Ok ? Si vous voulez des exemples de personnes qui utilisent ce genre de playstyle, il y a Comp, Comp le fait ultra souvent, checkez son stream, et il y a aussi Unforgiven, je crois qu'Unforgiven utilise la même technique, mais voilà, c'était pour vous en parler, c'est intéressant, c'est faisable, donc n'hésitez pas à tester et voir si ça fit à votre playstyle. Une autre question qu'on me pose souvent et que vous vous posez peut-être, c'est comment attaquer uniquement les champions et pas les autres unités. Alors ce que ça va faire, c'est que mon curseur va devenir rouge. Et lorsqu'il devient rouge, regardez, parce que je vais me TP là dans la off de creep, regardez. Hop, je peux plus cliquer sur les creeps. Et ça, c'est ultra bien pour dive des adversaires. Donc je vais me TP là, je vais mettre un demi juste derrière. Vous avez vu comment je peux pas lui cliquer dessus? Et ben en restant appuyé sur cette option, hop, je l'attaque. Ultra bien. Ok, ouais, ultra bien. Mais il y a un souci, c'est que, de base, il faut rester appuyé sur votre bouton. Et je vais pas vous mentir, c'est assez agaçant de rester appuyé dessus. Alors pour ça, une fois que vous allez avoir bind votre bouton, vous allez aller dans Game, et tout en bas à droite, l'option Treat Target Champions Only as a toggle, donc en gros, c'est un seul clic pour pouvoir activer l'option. Cette option-là, vous l'activez. Et là, maintenant, je vais appuyer une seule fois sur ma souris, et boum, mon curseur reste rouge, et je peux utiliser l'option de façon fluide, sans me prendre la tête. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette option marche avec le Q-Click. Donc là, je vais Q-Click sur l'ennemi. Regardez. Et pourtant, ça va quand même marcher. Par contre, faites attention. Si jamais vous faites un Q-Click et que vous ratez un champion, vous allez avoir un souci, c'est que vous allez quand même attaquer un minion. Donc faites gaffe, moi je vous conseille quand même de ne faire que des clics droits. De ne pas utiliser le Q-Click dans ce genre de situation. Faites quand même que des clics droits lorsque vous divez un ennemi sous une tour. Voilà. Si vous ne savez pas sur quelle touche bind votre Q-Click, regardez le positionnement de votre main lorsque vous jouez à League of Legends et essayez de le placer sur une touche inutilisée, atteignable soit avec votre majeur, votre annulaire ou votre auriculaire, ou alors avec votre pouce. Certains joueurs n'utilisent pas tous leurs doigts lorsqu'ils jouent, alors essayez et trouvez une touche qui vous est confortable. Je vous affiche ici les touches les plus utilisées pour bind votre Q-Click, mais ce n'est qu'à titre informatif. Si même après tout ça, vous n'arrivez pas à trouver un Q-Click qui vous convient, sachez que j'ai développé une autre variété de Q-Click. Ça a été réalisé en auto-hotkey, c'est disponible sur mon GitHub. Et bien entendu, c'est autorisé par Riot, car ça respecte la règle du ratio 1-1. Une touche, une action. Si par exemple vous êtes un joueur qui veut utiliser le Q-Click avec l'indicateur de range, mais qui n'aime pas utiliser le clic gauche de sa souris pour l'activer, il y aura par exemple un script qui vous permettra de créer un Q-Click où vous pourrez appuyer deux fois sur la même touche pour l'activer. Je vous préconise d'utiliser les Q-Click de League of Legends à la place, mais voilà, sachez que c'est possible. Voilà, je précise que peu importe si vous utilisez le Q-Click ou non, si vous utilisez un Q-Click plutôt qu'un autre, ou si vous essayez de vous comparer à vos amis, restez vous-même. Chacun a son playstyle, peu importe si vous l'utilisez. Il y a des joueurs qui arrivent à monter très très haut en elo sans utiliser le Q-Click, donc c'est pas forcément une option vitale, même si moi, je vous la préconise si vous voulez investir un petit peu de temps pour l'apprendre.
et encore plus si vous jouez au poste d'AD Carry. Sur ce, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai à tout. Des bisous les gars.